Ça demande Salinoko, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 18 de Pikmin 3, jour 20. Voilà, jour 20, c'est quand même un gros jour, hein, ce jour 20. Ça fait 20 jours qu'on est sur cette planète. On va du coup repartir à la rivière du destin. Parce qu'on avait des choses à faire. La dernière fois, on s'était fait laminer, on a perdu 50 Pikmin la dernière fois, souvenez-vous. Ce qui est énorme. C'est un des records, je pense, en vrai. Je l'ai pas dit, mais je pense que c'est un des records. Et voilà, le but d'aujourd'hui c'est du coup de continuer à explorer la zone et de faire reproduire, enfin reproduire entre guillemets, parce que ça se reproduit pas vraiment, mais les Pikmin Rock et les Pikmin ailés. Voilà, hop. Alors, on va avoir besoin de beaucoup de Pikmin ailés, hop, voilà. Ok. Du coup. Alors, j'ai pas réussi à l'avoir, attends. C'est pas grave. Hop. Ok. Voilà. Voilà. J'espère que du coup, bah, j'espère que la série vous plaît. C'est vrai que j'en parle pas trop, mais j'espère que la série en elle-même vous plaît. J'espère que le fait que je tourne tous les épisodes en avance, que ça sorte régulièrement, que ce soit une petite série en plus sur un jeu Nintendo qui est beaucoup trop bien. Parce que Nintendo c'est la base. J'espère que bon voilà, ça vous fait. Ça vous fait plaisir. Moi je prends énormément de plaisir à tourner ces vidéos parce que c'est du contenu en plus sur la chaîne, c'est vraiment des souvenirs voilà, qui vont rester. Et en fait faire un let's play sur une chaîne, je trouve ça vachement cool parce que comment dire, parce que en fait c'est une histoire qu'on raconte, c'est des moments qu'on vit en fait, et oula c'est quoi ça, et ça reste gravé. Faut attaquer le dos, vite vite vite. Oula. Ah oh, sûrement il y a un Pikmin qui meurt là. Hop, voilà. On récupère ça. Nickel. Oui, je sais plus ce que je disais. Ouais, voilà, c'est une histoire qu'on raconte. C'est vraiment des. En fait, c'est un jeu entier qu'on fait. Et c'est comme si je faisais un jeu à mon album de jeux sur ma chaîne. Et je serais trop cool. Le premier jeu de la nouvelle génération de la chaîne, c'est un peu Mother 3. Même, c'est vraiment le premier parce que. Si je m'appelais pas Elinoko hein, quand je faisais Mother 3. On va dire que c'est Mother 3 parce qu'on l'a fini en entier. Il y a Hollow Knight, du coup, je sais pas du tout Hollow Knight, au moment où j'en serai, quand cette vidéo sortira, est-ce que le jeu sera terminé ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, ah, on a quand même bien augmenté les... Pas bien augmenté, on a un petit peu augmenté les Pikmin Rock. Et voilà, c'est quand même... j'espère le finir, hein, le jeu, parce qu'il est vachement dur. Hein. Mais j'espère qu'on pourra le finir. Et voilà, si à chaque fois que je fais un let's play que je termine un jeu, enfin, je trouve ça symbolique et j'aime beaucoup. Du coup voilà, je suis content de vous faire ces vidéos. Alors hop, voilà. C'est pas des monstres. Si c'est des monstres. À chaque fois en plus c'est des monstres hein. Faut que... Mais non, il y en a un qui est mort. C'est pas grave. On va passer, on va aller faire un petit peu la zone qu'on a pas fait. Ah, j'ai oublié un truc. Oh, j'ai oublié un truc. Ok, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. J'ai oublié un truc. Très, très important. Il faut que j'aille ici. Voilà. Récupérer les bombes. Vite. Là, on va ouvrir les trappes. Je sais pas du tout ce qu'il y a en dessous. J'ai l'impression qu'il y a des monstres, hein, avec vu le bruit qu'il y a. Mais on va voir. Alors, l'araignée, elle est toujours là. Ouais, elle est toujours là. Bon, on va pas l'embêter. Elle nous embête pas, donc on l'embête pas. Évidemment. Refermez-moi ça. Non, il referme pas, merde. Écrasez-les, écrasez-les, écrasez-les. C'est
stop. Bon, évidemment, il y a des morts. Hein, écoutez. Ah, elle est bloquée. C'est bloqué dans les cadavres, Brittany. Alors. Voilà. Ok, lui la destination. Donc voilà, récupérer ça. Ah non, mais. Ah, c'est bon, ça passe. J'ai cru qu'il fallait vraiment des pikmin électriques. C'est quoi ça? Non, non. Je me déteste, mais il y a un point. Bon bah du coup j'ai plus assez. C'est génial, j'ai plus assez, donc on peut pas le faire aujourd'hui. Je me déteste, mais tellement, vous pouvez pas vous imaginer. Il n'y en a pas d'autres. Il y a des ennemis de partout. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté pour le coup. Et je me suis dit, j'essaie de faire gaffe. Hein. Il y a une fois où j'ai failli le faire, j'ai pas fait. Mais là, par contre. Alors, il faut qu'on aille. Il y a quoi là? On peut pas voir. Il y a quoi? Là, il y a un fruit sous l'eau. Là, il y a un truc a priori. Bon, alors, retourne là. Je suis désolé. Vraiment, je suis tellement désolé. J'espère qu'il n'y a pas encore des monstres. Hein, sinon, vraiment. Ah, c'est intéressant. Ok. D'où une impasse. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon, j'ai profité que tu fais rien pour récupérer tout cela. Quoi? C'est qui les Big Men qui meurent là? Qui a tué les Big Men? Là, ouais, là, il meurt, je ne sais pas pourquoi. C'est bon, ok. Hop. Qui sont les Pikmin qui sont morts? Ah, c'est peut-être ceux qui ont fait le pont, non? J'espère pas. Ah, c'est peut-être ce truc là, non? On va où là? Non, non, oula, attention. Je vais descendre. Ce champignon devrait nous permettre d'atteindre la falaise en face. Avec lui pour coéquipier, rien à faire. Il nous faudrait un partenaire plus adapté. Ça fait penser à ma petite femme sur Okotat. Elle est en train de recompter sa chaussette comme d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Toujours ne fonctionne pas, mais c'est chiant. Mais... Hop. Oula. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Non! Où est-ce que je suis? Je voudrais que tu ailles, s'il te plaît. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Pardon, j'ai rien dit. On va utiliser la bombe. Voilà, on l'a dans la main. On va utiliser celle-ci. Il va falloir qu'on pètera le mur du coup au premier épisode. Parce que je suis bête, écoutez.
Oula! Quel est ce bruit? Waouh! Non! Non mais... Pourquoi vous passez par là aussi? Pourquoi vous passez par là? J'ai maintenant exploré la majeure partie de cette planète. Après tous les combats que j'ai menés, je n'ai plus besoin de ce truc. Peut-être qu'il ne sert à rien ici, mais je vais quand même l'enterrer là pour les futurs visiteurs. De quoi il parle? Ça c'est cassé. Ah, il y a un champignon là. C'est quoi ce bazar? Est-ce que c'est bon? Il a tapé sur le mur? Ouais, j'espère. Ok. Allez, tu les rejoins s'il te plaît, merci. Juste, est-ce que par contre il y a des Pikmin qui sont à la base? Il y en a quelques-uns, ouais. Je sais pas si c'est des pousses ou si c'est des Pikmin. J'ai l'impression qu'il y a un ou deux Pikmin, c'est tout. Ok. Hop. Mais au calme, mais enfin, je comprends pas pourquoi ils passent par là. Ils pourraient très bien faire le chemin. Ah non, ils peuvent pas en fait. Ils peuvent pas faire chemin arrière. C'est vrai. Non, mais ok, pardon. Ils peuvent pas faire chemin arrière, mais du coup, ça va par où là? Ok. Alors, quand est-ce qu'il arrive l'autre? Capitaine, vous êtes où? On vous attend, capitaine. Ok. Hop. Alors, bon. Écoutez, c'est parti. Il y avait... Ah, c'est vrai qu'il y avait une note à propos de ça. Attendez. Il y avait une note à propos de ces ennemis. Créature primitive. Ce truc. Son point faible et sa tête. Attendez qu'il sorte et jette vos Pikmin. Attendez qu'il sorte et jetez vos Pikmin. Ok. Son point faible et sa tête. D'accord. Trois têtes. Hop, revenez. Non. Wow, on lui a bouffé les poils. Ok. C'est pas que j'en vois dans la gueule non plus. Allez, on y est presque. Si vous voulez, non, voici, ouais, si, apporte. Ah, autant pour moi. Ah, mais ils sont lents, attendez. Mettre des pikmin rouges, voilà. Ça n'a plus beaucoup de temps, hein, faut qu'on fasse gaffe. Ça, du coup. Voilà, et ça. Voilà. Ok. Bon, dépêchez-vous. Ouais, faut pas que je les perde. J'arrive plus à parler. Je m'embobine dans mon fil. Ah, là, il y a... Parce que, oui, je vous ai pas dit, mais... vous savez que la Wii U, c'était extrêmement nul. Parce que, du coup, oui, je suis sur Wii U, c'est ce qui est logique. Mais mon gamepad tient très peu la charge, du coup, je vais le brancher. Le gamepad d'ailleurs, ce truc horrible qui ne sert à rien. Alors, où est-ce qu'on... Ok, donc là on est de retour ici. Les deux autres ils sont restés là, ok, donc c'est tant mieux. Ça c'est tant mieux ça. Ça je vais pouvoir récupérer tous les Pikmin. Non, ta gueule. Non, il m'en a bouffé un vraiment. Donc, on se casse. On se replie. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Non!
Mais ils sont débiles aussi, c'est pas moi. Hein. Oh là là. Voilà. On va attendre ici. Hop. Voilà. Ah, là, il y a un Pikmin tout seul, là. Vous faites quoi, les gars? Ok. Où sont les Pikmin en danger? Ah oui, techniquement. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire encore dans le jeu? On a à faire encore ce pont. Il faut qu'on aille ici. J'ai l'impression qu'il y a un truc ici. Ouais, oui, voilà, avec le champignon. Est-ce que ce fruit on peut récupérer ou pas, ou pas? Parce qu'il est quand même assez extérieur à l'eau, donc il faudra que je teste. Donc il manque 10 Pikmin rouges, il manque un Pikmin ébé. Ils sont où? Ils sont là. Ok, bon, ils arrivent. Tout va bien. Tout va bien, moi je vais rester dans le coin au cas où il y en a qui reviennent. Hop, voilà, on va attendre là. Hop, ok, ils arrivent avec leurs grosses pommes. J'arrive, il y en a vraiment qui volent. Ils transportent le truc en étant porté par les autres. Allez, on les entend. Normalement, il y a tout le monde, hein. Il en manque un. Où est celui qui s'est perdu encore? C'est un Pikmin volant. Je le cherche, hein. C'est un Pikmin volant. Où est-ce qu'il est? Je ne le trouve pas. Ah, il est pas là. On est d'accord, il est pas là. Hein. Bon. Bah écoute mec, je sais pas où t'es. Je sais pas où tu t'es planqué. Mais je veux pas te retrouver là. Hein. Je veux bien chercher pendant des heures, mais je te vois pas. Il est pas là, il est pas là. Il est pas là. Non, bon, je sais pas. Je n'ai aucune idée. J'espère que j'ai pas zappé. Parce que là, on a les deux là. Ouais, je sais pas. Ça serait bien, voilà, là c'est la fin de la journée, ça serait bien qu'il montre où était le Pikmin. Et bon. RIP, bon. On n'a pas eu beaucoup de morts aujourd'hui, me semble. Ah si, on a eu beaucoup, enfin... On a eu beaucoup de morts au moment où on a soulevé les trappes. Et au moment où on a combattu l'espèce de cigogne bizarre là. Ouais bah t'es là, ok, mais va me dire, bah, fallait mieux... Ah, ok, vas-y, cours. Il s'est pas fait bouffer, hein. Franchement... J'ai cherché, en fait, sur le gamepad, on voit la carte et on voit les petits points, c'est les petits points des Pikmin, en fait. On voit la couleur du point et du coup, on voit quel Pikmin c'est. Sauf que là, je voyais absolument pas de point violet, ni de point, ni d'autres points, en fait. Donc ça, je me demande d'où ça vient. Enfin, d'où est-ce qu'il était, quoi. Bah, hop, j'ai passé, du coup. J'ai des insectes, ça donne pas envie, par contre. Ça donne absolument pas envie de me le manger, le truc. Hop. On a 23 morts, c'est quand même pas mal. Mais par contre... Gros point positif, c'est vous avez vu comme on a augmenté nos Pikmin, c'est un truc de fou. Les Pikmin ailés, les Pikmin Rock là, on les a bien augmentés. Surtout les Pikmin Rock, c'était important. Je suis content. On va continuer comme ça. Alors.
Qu'est-ce qu'elle dit? Les Pikmin jaunes sont plus légers et peuvent être lancés plus haut que les autres Pikmin. Il devrait peut-être manger un peu moins pour leur ressembler. Enfin, ce n'est pas grave si on ne peut pas me lancer plus haut, mais bref. Sinon, ils peuvent résister à l'électricité. Et ils ont aussi de grandes oreilles. Mais visiblement, ça n'a aucun rapport. Ok. Bon, bah écoutez, on va se laisser là, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas du coup à lâcher le bon gros pouce bleu des familles. Voilà. Et puis, du coup, bientôt épisode 21. Voilà. Pas 21, mais qu'est-ce que je raconte. Bah, épisode 19. Je me base sur les jours en fait, mais non. On a toujours 2 jours d'écart. Voilà. Du coup, bon, bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.